pas le droit de porter le maillot de l'OM, Sacco, ancien capitaine du PSG, regrette le choix de Rabiot. Dans l'émission J1 de Canal+, le défenseur central français a déploré la décision d'Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Pour un gamin de Paris comme lui, la nouvelle n'est pas bien passée. Mamadou Sakho, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et amoureux du club, n'a pas vraiment apprécié la signature d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Ce vendredi, il a commenté la décision du milieu de terrain dans l'émission J1 de Canal+. Sincèrement, ça m'a titillé, a soufflé le défenseur de Torpedo Kutaisi, en Géorgie. Je ne vais pas mentir. Après, je connais le monde du foot. Je ne sais pas comment il a quitté le PSG, s'ils sont partis en guerre. La personne peut avoir un ressenti différent. Selon moi, en tant que Parisien, un joueur qui porte le maillot du PSG n'a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l'OM. Je parle en mon nom. Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, a plusieurs fois regretté que son passage au club se soit mal terminé. Il ne souhaitait à l'époque pas prolonger et avait donc été privé de matchs pendant plusieurs mois. Avant d'achever son contrat et de filer à la Juventus. Où il a passé 5 saisons jusqu'à son arrivée à Marseille cet été. Des adieux souvent douloureux. Le PSG sait accueillir mais a du mal à dire au revoir, confesse Mamadou Sakho. Je trouve ça dommage mais c'est un fait. Quand on voit l'accueil d'Ibrahimovic, Neymar, Messi ou Mbappé et quand on voit comment ils partent, ça me fait un pincement au cœur. Je vois un club de foot comme une famille. L'ancien défenseur central de l'équipe de France a également évoqué le Clasico face à l'OM, qui n'a plus la même saveur, selon lui, cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG Marseille, c'était un PSG Marseille. Maintenant, j'ai l'impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd'hui, le Clasico est mignon.